Et donc, salut à tous, c'est Tank qui aujourd'hui se retrouve pour l'épisode 7 sur XCOM Enemy Within. Enfin, Enemy Unknown avec l'expansion Enemy Within. Bref, vous le savez. On n'est pas là pour rien, pour faire joujou, hein. On est là pour battre de l'alien. Et je vous rappelle, la dernière fois, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pu commencer à construire nos petits labos. Les deux labos qui vont être très très sympas par la suite. Ce qui est assez important, il nous faut surtout de l'énergie, donc ça va venir très rapidement aussi. Faut que je pète tout ça avec la phase de l'énergie, ou alors faut que j'en fasse un ici temporaire. Je vais refaire un petit générateur temporaire, mais que je détruis par la suite. Mais bien, on va construire tout ça après, ça va le faire. Hop, hop. Et ben tout simplement, je vois les armarions qui vont arriver. Ah oui, non, c'est vrai. On avait pour ça un enlèvement. Et je voulais partir sur du. Un G ou scientifique. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? Scientifique 16. Un G 21. Donc, il nous faut des scientifiques. Scientifique Canada. Je vais juste voir un truc avant. Les techniques d'interrogation du docteur Vallen sont sacrément efficaces. Sans que ça paraisse, cette fille est le pire cauchemar des extraterrestres. Domination aérienne, ou c'était quoi? L'Allemagne, je crois. Expertise. Ah, je suis tenté, là. Ah, mais j'ai même pas commencé à domination aérienne. Donc, on part là-dessus. Son scientifique, on a dit quoi? Scientifique. Scientifique, voilà. Donc on est parti, scientifique. Hop. C'est parti. Oula. Non, je dis oula parce qu'en fait je vois qu'on a aucune armure, aucun équipement, rien. Je veux, Chilong. Ouah, wow, oui, Chilong il est loin. Hulk. Hulk, on va prendre Hulk. Ouais, ouais, allez. Ok. Ensuite, il me faut à côté de ça, ici un commando. Un commando, je vais en avoir un qui est donc nitro. Il me faut ici un sniper. Qui est donc vampire. Un autre commando si possible, je crois qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Très bien. Donc il me faut un sapeur. Sapeur, on a un combo. Très très bien. Est-ce qu'on en a un autre sapeur? Oui. On a Xenia Ruiz. Et une nouvelle recrue. En espérant qu'elle puisse devenir commando. Qui sera donc Kyron McDonald. Sapeur modifié. Équipement. Medikit. Quels sont les objectifs déjà? Capturer un Xenon. Vu que c'est pas un atterrissage de vaisseau, je m'en fous complètement. Commando grenade, modifié, équipement. Ok. Et bon, on est parti. Et on perd pas de temps, on est parti. J'espère que vous allez bien. Je sais que vous n'allez pas me répondre dans les commentaires, mais je fais mon ISO. Voilà, j'ai quand même ça. On y est. Pour information, pour ceux qui regardent ces vidéos, donc mercredi, demain vous aurez. Cette opération va se dérouler au Canada. Tu peux me séparer, c'est pas central. On capte toujours des transmissions indiquant la présence d'extraterrestres dans un grand centre urbain. On devrait aller sécuriser la zone sans tarder. Ouais. Je disais, ouais, donc demain, jeudi, vous aurez une vidéo bonus de premières impressions. Je ne dis pas sur quoi, mais l'équipe Strike a atteint la Z2. Demandons autorisation de se déployer. J'ai tourné juste avant. Strike One a la permission d'attaquer. En espérant juste qu'elle n'ait pas merdé. C'est parti. Alors là, j'ai vu c'était quoi au niveau de la. De la base de la. Tu peux venir ici, très très bien. Au niveau de la map je l'aime pas trop. Je dois clairement vous le dire. Ça me rappelle un mauvais journée sur la série précédente. La saison précédente plutôt. Position confirmée. Du genre un jour où je suis entièrement mort. Je bouge. Je devais être tel quel 4, je sais plus trop là. C'était. Non, c'était l'anarchie là. Plus totale. Je suis mort, mais à un point. Alors là, clairement, les mêlées, je m'en tape. Hein,
J'ai le matos en visuel. J'ai vu qu'on était en très difficile, il est loin. On va quand même se diriger vers, hein, mais bon. J'y vais. J'ai quelque chose voilà, ici. Ça j'en doutais, alien. Tu n'en vois qu'un, bah, c'est pas grave, tu me tires dessus. Tu l'as loupé, c'est un peu plus gênant. Mon coup. J'y vais tout de suite. Décale toi ici. 33 c'est toujours ça à prendre. C'est loupé. Dégâts négatifs. Bien commandant. Ça c'est très bien. Dommage, j'aurais préféré que tu le shootes parce que ouais, clairement t'étais un petit peu loin. Combo, 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 combo breaker. Je t'avance là. On peut attaquer. Merde. Allumette, ça va, ça va, ça va. Ça, ça pue. Ils déplacent leur attaque. Ça, ça va. Deuxième, il est là-bas en vigilance. Très bien. Je prends du Goliath. Loupe-toi pas, s'il te plaît. Merde. Merde, l'ennemi respire encore. Ouais. Genre. Depuis quand ils one shot eux? Putain! Ah désolé mais là ça me gonfle quoi. Tu fais que 2 points de dégâts là. As-tu eu un problème à les shooter un peu plus rapidement? Bordel! Toi t'es pas mort, je pense que t'aurais dû mourir. Toi t'es mort au prochain tir, t'es obligé de toute façon. Ah désolé mais là c'est vrai que je parle pas parce que là ça me gonfle quoi. J'ai un deuxième qui va mourir hein. Eh bouge le lui, putain. On me tire dessus. Saleté. Il a dû me balancer du poison. J'y vais. Par où tu passes toi? Mais celui-ci qui va être touché là-bas. Tu le rates, forcément. Mmh, j'aime pas ça du tout. Toi, logiquement, t'es mort en fait. Hein. Mais bon, je le sais, c'est pas moi. Boum.
Ouais, je préfère pas me faire chier, je tire carrément la roquette. Ils sont emmerdés par des petits couillons pareil. Je rejoins la position. enfin 23% c'est logique, c'est fait un peu en fumée juste avant. Ils veulent ma mort par ici. On tire dessus. Non, il s'est tiré dessus là plutôt. Avec un point de dégâts, mais autant ne pas tirer quand c'est comme ça, quoi. Position confirmée. J'ai rechargé. Ça roule. Objet alien en vue. On y retourne. Je suis à sec. Je règle mon viseur. Oh. Mais tout ce camarade là, c'est pas possible. Je me fais attaquer. Je vais payer dans 4 tours, mais bon, je suis même pas sûr d'aller foncer dessus parce que là. Ça devient pitoyable. Là, clairement, la mêlée, je m'en tape. Confirmé. Commandant, il serait préférable d'essayer de récupérer ces conteneurs au lieu de les détruire. Surveillez vos flancs. Comment les flancs? Il serait aussi préférable de réussir à tuer les aliens. Toi, t'as pris 0 dégâts. Je t'avance là. Moins 2 au moins. Oh, moins 3. Yes. Je vais vers la position. Va-t'en là-bas, toi. Tu recharges. On y va. Ok, je bouge. Vas-y, tu peux pas la soigner. Vous voulez. Bah. Ah, j'ai pas rechargé tout à l'heure. C'est bon. Quel poulet. En position de tir. Je fonce. Ok. Tu seras remis en moins de 2. Ça c'est good. Alors toi par contre tu te fais buter, ça vaudra mieux. En avant.
Mais pareil, toi, qu'est-ce que tu fous? T'as pas de loupé? Bien, commandant. Je suis en route. Donc j'en ai plus que 4. L'autre, je vais pouvoir le réanimer, j'ai plus rien pour le réanimer. Je suis en route. Je bouge. Je vais vers la position. Prêt pour la baston. J'y vais. Ouais, désolé, je parle pas, ça me... C'était quoi? Ok, qui serait derrière la... J'y vais. Derrière le cabanon. Je vais vers la toi, tu vas revenir par là, alors. J'y vais. Y'a rien dedans. On y va. Ah, c'est ma grille, mais bon. Oh, voilà, ça, on s'y attendait de toute façon. À côté. Ok, bon, sans qu'on ait la technique, hein, maintenant, on a vraiment appris à ce niveau-là, et pas de tranquille. Toi, t'es mort, ça t'apprendra. Toi, tu vas te caler ici. Toi, tu vas te caler là. Toi, t'es pas mal ici, ouais, mais si toi, tu restes là. Et toi, tu restes là. Et maintenant, on attend leur venue. Tout simplement, ouais, parce que là, ça commence. C'est vrai, on n'a pas grand-chose d'autre à faire là-dessus. Tiens, toi, tu vas recharger. Toi aussi. Je suis en route. Ouais, je vais bien avancer, mais si on avance et que dans le coup il y a personne, ça va pas le faire du tout. J'y vais tout de suite. Tout de suite. En route. Oh, c'est venu comprendre que je ne voulais plus bouger. Enfin, c'est... Quand ils m'envoient ça. Ça une tonne du monde derrière, quoi. J'ai entendu du bruit. On va finir et faire un tour derrière. On sait jamais, hein. J'y vais. Ça roule. Je suis en route. Que fait le sniper devant, franchement? Bravo. Le seul qui a réussi à l'avoir, c'est lui. C'est le seul bon de l'équipe, de toute façon, aujourd'hui, c'est lui. C'est le commando qui est là, et il fait que des attaques, des attaques, des attaques, des attaques, attaques. Il fait que de ça. C'est le seul qui touche à quelque chose. Je suis en route. J'y vais. Ah,
Ah là, je suis déçu, ouais, la mission vraiment pourrie, je perds deux hommes, on sait pas comment, parce que les planeurs ils font des one shot alors que... alors qu'ils sont nuls. J'en ai ras-le-bol que les planeurs fassent du one shot alors que c'est pas prévu du tout, quoi. Affirmatif. Moi je prends la même arme qu'eux et puis sur le même nombre de points de vie que moi, je fais rien du tout, alors... Affirmatif. Ouais, je suis un peu complètement désespéré, ça me gonfle. Très clairement, ça me gonfle. Je suis en route. Tu m'envoies le dernier, s'il te plaît. Attends, il a rendu la bop et tout, je te clé, ben, et ça va. Alors, zéro. Alors, les amis, c'est zéro. Vous m'avez fait que des tirs, mais à côté, quoi. Ah, et toi, t'en fais un deuxième pour que tu t'ajustes dessus lorsqu'il est pas au même endroit. Ah, toi, t'es inutile, donc tu peux rester comme ça, hein. Toi, je sais pas pourquoi je t'envoie, mais je vais quand même t'envoyer, on sait jamais. Ah, bah dis donc. Dernière année, tu fais les tirs, toi. Une victoire de plus. Bien joué, commandant. Putain, j'hallucine. Tout à l'heure, elle a fait zéro tir, rien. Vas-y, que je te. Et puis, de toute façon, je t'emmerde. J'ai pas envie de tirer sur les ennemis. J'ai pas à faire, moi, aujourd'hui. Dieu, ça te règle. Non, mais voilà, c'est un conflit, quoi. Putain, deux morts à cause de ça. C'est de la connerie, là. De la connerie. Bon, calme-toi, désolé, mais c'est accès. C'est un truc qui m'énerve, Australie. Fusil à l'air. Autopsie du US, ça va attendre, hein. Là je pars là-dessus parce que j'ai rien du tout. Je vous remercie des efforts que vous faites pour soutenir l'unité de recherche, commandant. Les nouvelles recrues sont déjà au travail. Enfin deux. Ouais, ah, faisons deux. Pas de commando, y'a rien. Bon, bah on va envoyer un intercepteur. On va voir si tout se passe bien là-dessus. On le prend en chasse. Allez, on va la commencer là, mais on ne la finira pas là, hein, vous le savez. Et vu combien de temps on était rendu. Alors, hein, de toute façon, j'ai un sniper, c'est Sydney Carroll, il n'y a rien à foutre du tout, je le sens. On va y aller en mode gros bourrin, parce que là, j'en ai marre. Il faut que ça explose. Commando. Je n'ai pas de second commando. Ça promet. Oh, je vais pas te l'envoyer sur toi. Victor, merci de voir la dure tâche de d'avoir l'électroflux avec toi. Par contre, j'ai changé ta couleur parce que je veux te voir. Sapeur, j'en ai un ici. La rescapée. Et Ah oui, il faut un sniper.
Tac, il me faut un sniper. Shilong. Prends ça et Victor, merci. Tu vas quand même la possibilité de prendre ça. Ce qui est plutôt cool pour toi d'ailleurs. Là, et puis, mais tout simplement, on va se retrouver dans l'épisode 8. Ouais, je sais. Exactement au même endroit. Vous verrez, je vais pas avoir bougé, il n'y aura plus qu'à faire lancer la mission. Et cette belle escouade rescapée. On va dire, c'est plus ça. Moi, les trois qui sont. Enfin, ouais, les quatre là. En fait, t'as utilisé Urbis tout à l'heure, je crois. Bref, je vous retrouve dans l'épisode 8. Donc, samedi pour vous, pour moi, aussitôt. Et donc, bonne journée à tous et à la prochaine. Salut.